C'est une marée humaine violette qui déferle sur Jamal et ses hommes. Collier de fleurs, embrassade, selfie, tout le monde veut son moment avec ceux qui se sont qualifiés pour les 32e de finale de Coupe de France. Un accueil chaleureux qui touche les joueurs. Ça fait chaud au cœur, on avait des idées, mais franchement là c'est quelque chose. C'est quelque chose et franchement on remercie tous les Mahorais parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils nous ont réservé aujourd'hui. La fête ne fait que commencer à l'aéroport, la journée s'écrit en violet. Les joueurs sont célébrés partout où ils passent, comme ici, à la sortie de l'aéroport, toute l'île basculant dans la liesse et la joie avec Imad et ses partenaires. On va fêter ça et retourner à Métropole pour faire le boulot. Jumeau devrait connaître son adversaire début décembre pour disputer son 32e de finale le week-end du 18 et 19 décembre prochains.